Magali, bon, je sais que je suis allé trop loin, mais je te le demande, est-ce qu'on peut aller trop loin par amour? Bon, voilà, j'ai décidé de tout te dire, ok? Parce que je veux que tu saches pourquoi je suis allé jusqu'à... Tout ça a commencé avec le chat. Ça commence pas plus tôt quand elle t'a foutu dehors? Mais elle m'a pas foutu dehors! Bertrand! Non, elle a juste pris un peu de recul. Bon, ça faisait 4 jours qu'on était en break, d'accord? Et j'avais décidé de passer voir Croquette. Et l'accueil avait été un peu tiède. Tiède? Elle t'a accueilli comme un lépreux, oui? N'importe quoi, comme un lépreux, l'autre. Bon, tu l'auras cherché. L'arbitrage vidéo va parler. Donc là, elle est ravie. Hein, on le voit bien, le ravissement irradie l'écran. Ah, mais c'est parce qu'elle est pudique, c'est tout. Ah, tu vois? J'étais venu voir le chat. Bertrand, s'il te plaît, respecte-toi un peu. Tu passes la voir et tu l'engueules. Pas mal comme technique, hein? Non, mais elle avait viré toutes mes affaires en haut, dans le box. Ça se fait pas pendant un break, ça. Elle te vire du champ de bataille. C'est de bonne guerre. Ah! Voilà le hippie. Qu'il a l'air con, lui. Cette tête. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'aimerais bien t'y voir, quoi. Ça fait même pas une semaine que t'es en break et tu retrouves un bel hâte dans ton canapé, quoi. Bon, c'est un peu dur d'en voir ça. Hein. Ouais, je comprends. Ce vent, ça va. Alors attends, hein, je la suis quelque part. Ah non, mais je sais pas si c'est la peine. Si. Voilà. Oui, bon, là, on peut accélérer. Hein. Ok, je suis monté récupérer mes affaires, j'avais pas la clé, et puis voilà quoi, c'est bon, on a compris. Tu rigoles ou quoi? C'est mon passage préféré. Boum. Attention, j'entre en scène. T'as mis le temps, hein? Aïe, j'ai mal, j'ai mal! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe! Tout ça pour une foulure, quand j'y repense. Non, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie, moi. Mais vous pouvez pas me laisser comme ça! C'est la nulle existence à personne en danger! C'est pas ça le danger. Le danger, c'est une calage sur la tempe. C'est un pied sur une mine antipersonnelle. C'est le parachute qui s'ouvre pas quand on saute de l'avion! C'est ma petite foulure de lopette! Ouais, s'il vous plaît, j'ai mal. T'étais tellement pénible. Pénible mais efficace, hein, ça a marché. Qu'est-ce que tu veux? On laisse jamais un soldat derrière, même les lopettes. C'est sympa. Homophobe, mais sympa. Bon. Bah là, on n'a plus que nos souvenirs. Alors elle me jure qu'elle le connaît d'internet, hein, que c'est juste un colloque, hein. Vous voyez le genre, hein, citoyen du monde, on est tous couchsurfeurs, on a tous des amis partout dans le monde parce qu'on est tous tellement cool. Alors monsieur, il a besoin de quoi? De calme pour écrire son bouquin, donc qu'est-ce qu'il fait? Bah il s'installe chez ma meuf, et moi quand je débarque, elle me dit le truc habituel, hein. Genre, ah ouais, non mais tu peux pas passer comme ça, on a dit qu'on se donnait du temps, que c'est pas ça un break. Attendez, non, la phrase exacte, vous allez rire. La vie à deux, c'est comme une ascension en montagne. Là j'ai besoin de me reposer au gîte avant de savoir si tu seras le Sherpa de mon Everest. Sauf que là, on est d'accord, il y a un autre type au gîte, non? Enfin, je veux dire, il y a un autre Sherpa, quoi. Vous savez, dans l'armée, on n'est pas très métaphore. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle prend toutes mes affaires, elle les fout dans une boîte, et tout ça, elle les range dans le box au fond du couloir, pour dépersonnaliser l'appartement, pour que son coloc se sente bien. Ah. Maman. Plus de batterie.
Vous pouvez me charger juste 5 minutes? 5. Vous comprenez? Pas 6. 5. Après, vous partez. Puis c'est quoi un Sherpa d'abord? C'est un type qui aide à porter les bagages ou c'est un mec qui s'incruste chez les gens? Bon, Altosquette maintenant, on va pas y passer la journée. Vous étiez un couple de petits vieux de 25 ans, elle voulait s'éclater, elle vous a largué, elle en profite. Mais et, alors, qu'est-ce que vous en savez de ça? Et puis on n'est pas séparés, on est en break! C'est marrant, on dirait les... Mais c'est Magali? Putain, mais c'est chez moi ça! Attendez, vous avez hacké toutes les webcams de l'immeuble? Mais vous êtes complètement... Ça va? Je suis désolé. J'ai paniqué. Alors que franchement, il n'y a rien de malsain, hein. Au contraire. C'est pour votre sécurité, au cas où il vous arrive quelque chose. Des formations professionnelles, je travaille dans l'armée. Mais c'est mon mug? Non mais d'où est-ce qu'il prend mon mug, lui? C'est juste un hobby, hein? Et puis, vous flattez pas trop non plus, hein. Je préfère regarder le deuxième étage, hein. C'est un peu chiant chez vous. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, il fume. C'est palpitant, dis donc. On dirait un film français. Elle fume pas, Magalou? On a toujours dit que c'était répugnant. Ah bah si. Si. Depuis 2 ans. Attendez, ça fait 2 ans que vous nous espionnez? Je préfère le terme observer. Vous êtes complète... Non mais faut être un putain de pervers pour faire ça, là. Vous croyez que je vais vous laisser espionner ma meuf, là, comme ça, sans rien faire? Je peux dormir ici, cette nuit. Promis, je vous dénoncerai pas.